S'il n'ira pas dehors, il tombe des grêlons. Tu vas te mouiller. Non, c'est comme ça, c'est moi qui commande. Hum? C'est pareil. Là, tu peux me faire tes yeux doux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est le 13 avril, c'est un jeudi. Je viens de rentrer du boulot, il est midi et quart. J'ai ma nourriture, enfin mon plat du midi qui chauffe. En entrée, ça sera des petites betteraves. Et en plat, c'est une julienne de légumes avec du poisson. Tout simplement, voilà, j'ai très faim. C'était pas du tout prévu au programme que je mange ici. En fait, j'étais censée aller en ville juste après le boulot pour faire 2-3 magasins parce que je voulais trouver le miroir qui me manque pour mes toilettes. Je suis en train de glow up mes toilettes du bas. Il faudra que je vous montre un avant-après. Et genre le prix, ça m'a coûté pas cher du tout. Et finalement je suis rentrée, pas par coup de flemme. Pourquoi je suis rentrée? Je sais même plus. Parce qu'en fait, je vais à mon deuxième travail après. Donc à 14h, de 14 à 16. Et en fait, c'est à côté de chez ma maman. Donc la logique, c'est que ben, je rentre. Après, j'aurais pu aller me balader et tout. Et ça me faisait vraiment calculer. Et moi, j'aime pas quand je me balade calculer. Je veux vraiment prendre mon temps et tout. Donc du coup, je me suis dit, j'irai demain me balader. C'est pas grave. Là, je rentre, je mange. J'ai un énorme colis à ouvrir que ma copine Manon m'a envoyé. Et après, j'irai à mon deuxième travail, travailler. Et oula. Et c'est plus logique que j'aille chercher Juliette juste après mon travail, vu que c'est à côté. Et demain, dans tous les cas, comme je n'ai rien à faire, je laisserai Juliette à ma maman. Et là, j'irai me balader. Je vous emmènerai avec moi. Ce sera sûrement la suite de ce vlog ou un autre. Si celui-là est assez long, on verra. Du coup, je vais manger devant une petite vidéo YouTube. Et c'est parti. Bon, je suis en train d'ouvrir le colis que ma copine Manon m'a fait. En fait, c'est des vêtements à elle qu'elle me donne. Comme elle habite loin et qu'on va pas se voir tout de suite. Du coup, elle m'a pas répondu savoir si je peux vous montrer. Au pire, je filme et si elle me dit non, j'arrêterai de filmer. Ah, ça, je le savais, c'est une petite jupe en suédine. Ah, elle est belle. Alors, je sais pas si ce genre de robe va aller à ma morpho, mais c'est canon. J'imagine trop là un petit look pour cet été avec. Il y a trop de trucs, c'est abusé. Un petit gilet. Ah, il est pas mal. Il est pas mal à voir. Ah, j'aime bien. Ah non, c'est même une chemise. Ah, j'aime trop. Ça fait une chemise avec des petites fleurs brodées. Là, c'est canon. Ça, avec un petit jean. Oh, trop beau. Même un jean blanc. Un jean skinny de chez Kiabi. Canon. En kaki. J'adore. J'ai plus de jean kaki en plus. Cache-cache. Canon, c'est un jean un peu mom, en plus j'en voulais trop, il est trop beau. Super. Ah ça je savais, elle m'avait dit qu'elle me mettrait un pantalon un peu en simili. Écoutez, oh, j'aime trop la coupe. Ouais, à voir, ça va m'aller nickel. Ouais, je pense que ça devrait m'aller. Ah, il y en a un deuxième. Ah, il est beau aussi, ça c'est plus en slim. Écoutez, pareil, canon. Il fait plus effet cuir celui-là. Enfin, c'est du simili. Petite chemise. Oh, Simba arrête de pleurer. Petite chemise kaki, trop belle. Simba. Ah, c'est pas mal ça. Honnêtement, je pense que ça va mettre un peu grand. Mais ça, vous savez quoi? Je vais le filer à ma soeur ou à ma maman. Parce que c'est du... C'est du 42 Primark. Et je sens que ça va être grand. Alors ça, si je ne me trompe pas, c'est un blazer que je dois filer à ma sœur. Ah, il est joli. Il est très joli. Elle me l'avait proposé, mais c'est vrai que moi, je suis en train de revendre mes blazers parce que je ne les porte pas. Mmh. Ah, j'aime trop. Il est trop beau. Oh, petit haut, tout simple. Mmh, je crois que je vais mettre des trucs dès demain. Un jean cache-cache, pareil. Coupe un peu mom, enfoncé. Ah, des ceintures, oui. J'ai plus aucune ceinture. Elle est belle celle-là. Elle est trop jolie celle-là. J'aime trop. Une plus simple, un peu en peau de pêche. Une comme ça, j'en avais une, je l'ai perdue quand je l'ai cassée. Trop génial, des ceintures. Ah, j'adore. Mais il est tout neuf, en plus il y a l'étiquette. Non mais Manon, un petit short là pour cet été au boulot. Ça va être nickel, c'est pas trop en short ras la salle de jeu. Les petits papis vont pas être choqués. Zara.
Canin. Un petit pull marinière, c'est trop son style. Oh, j'aime trop ça, vous voyez, rentrer dans le petit jean. J'aime trop, j'ai envie de mettre ça demain. Il y a trop de trucs là, j'ai l'impression que c'est Noël. Et je savais pas du tout ce qu'elle m'envoyait, à part 2-3 vêtements qu'elle m'a montrés. Un petit haut tout simple, mais ça aussi, la matière, elle est douce. Oh, j'aime trop. Non, mais elle m'a trop gâtée là. Ah, j'adore! Il est trop beau celui-là! J'espère qu'il va m'aller. Il paraît grand, mais après, elle est grande, elle. Moi, je suis avec Kiki. Ah, il est beau, j'aime trop. Regardez, un petit jean blanc resserré à la taille. J'en ai vu un Kiabi en plus, comme ça. Elle me l'avait envoyé, ça. C'est canon. C'est canon. Avec des petites fleurs. Pour cet été, ça, c'est trop mon style. Il y a le même en plutôt marron, canon aussi. Ah, oh, j'adore. Regardez comme c'est beau. Trop d'être cet été. Un petit. J'aime trop les trucs comme ça. En plus, c'est des couleurs qui vont avec tout. Enfin. Encore. En plus, je voulais trop m'en acheter un blanc pour mettre avec mes. Vous savez qu'un petit gilet par-dessus et tout. Ah, elle me répond. Bah non. Si tu me dis non, j'aurais filmé pour rien. Voilà, j'ai tout déballé. Non mais, regarde, ma chaise est pleine. Elle est folle. Je suis trop contente. Franchement, elle m'a gâtée. Vous voyez, il faut pas grand-chose. Enfin, faut pas grand-chose. Ça me touche parce que c'est des vêtements qu'elle aurait pu revendre. Il y en a qui sont neufs avec étiquette pour se faire de l'argent et elle m'a envoyé des vêtements. Je suis trop contente. Franchement, tu m'as trop gâtée, ma chérie. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Et je pense que vous me verrez dans les prochains vlogs ou mes stories avec. Parce que vraiment, il y a des trucs que j'aime trop, trop, trop. Je vais aller tout mettre au repassage. Elle m'avait prévenu, ce sera par passé, donc ça, c'est pas un souci. Je vais même pas les laver parce que ça sent bon, ça sent le propre. Enfin, j'aime trop. Donc voilà. Et moi, c'est vrai qu'en échange, je vais lui donner des vêtements pour sa fille. Parce que sa fille est plus petite que Juliette, Emma. Et donc, du coup, je vais lui envoyer un petit carton, moi aussi, pour Emma. Qu'il faut que je fasse. Et d'ailleurs, je pense que son carton, en fait, il va faire retour à l'envoyeur. Franchement, je dis pas ça parce qu'elle m'a envoyé des trucs et c'est très bien maintenant ce que je pense d'elle, mais ayez des amis comme Manon, Leslie, Caro. C'est vraiment trois copines sur qui je peux compter. En fait, ces trois copines-là, c'est trois copines où je sais que si demain j'ai vraiment une galère, que je sais pas, que je quitte Kevin ou il me quitte et je me retrouve à la rue avec ma fille. Bon, évidemment, j'irai sonner chez mes parents, ma soeur d'abord, ma grand-mère, mais je sais très bien que je peux aller chez elles. Elles seront là pour moi, elles m'ouvriront la porte, elles m'hébergeront. Je sais que c'est des filles qui, même si elles n'ont pas les moyens, si demain j'étais dans une mer de noir, elles me feraient des courses. Et en fait, c'est vraiment des filles, tout point de vue, en fait, je peux les appeler à 3 h du matin en pleurs, elles sont là. Quand Kevin, il a eu son accident, qu'il était sur la table d'opération et que moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps, et ben, ces trois filles-là, elles m'ont appelé, elles ont pris des nouvelles, elles étaient là pour moi alors que j'étais en larmes au bout du fil. Et pourtant, elles habitent, sauf Caro, qui habite à 5 minutes, mais sinon, Manon et Leslie, elles habitent à plusieurs centaines de kilomètres, si ce n'est plus. Manon, 2 h 30 de route et Leslie, plutôt 3-4. Et vous voyez, la distance n'empêche en rien. Voilà. Bref, j'arrête parce que je vais pleurer. Ayez des amis comme elle, franchement. Jaune. Oui. Bon, du coup, je vous ai pas du tout repris parce que en fait, j'ai été chez ma tante récupérer le linge du gîte parce qu'en fait, c'est elle qui le faisait avant et maintenant, elle me l'a donné, c'est moi qui le fais. Et après, bah, j'ai fait le ménage au gîte et j'ai clairement pas filmé. Enfin, c'est mon travail, je filme pas. Non, bébé, maman peut pas te porter, elle a trop mal à ses bras. Viens, on va voir les poules. Et donc là, je suis récupérée. Non! Là, je viens de récupérer Miss Juliette et on profite du petit rayon de soleil. Non, mais ce matin, j'ai filmé sur Snap, je vous la mettrai si j'y pense. Il est tombé des grêlons, mais d'une force pas possible. Et là, il y a du soleil. T'as pas tes bottes alors, pas dans l'eau, hein, mon cœur. Ma... Et donc là on joue un peu et du coup je vous prendrai demain à la suite de ce vlog parce que là non, il est pas en route Guiton, on peut y aller. Guiton c'est le robot tondeuse.
On l'a appelé Guy Tonde. Parce qu'avant, c'était mon grand-père qui tondait. Il s'appelle Guy. Maintenant, il peut plus. Alors, du coup, on a trouvé le remplaçant de mon grand-père Guy. Il s'appelle Guy Tonde. C'est le robot tondeuse. Donc, bref, ouais, là, on rentre. Qu'est-ce qu'on fait? Elle parle trop, cet enfant. Ma collègue Chacha avec sa fille ont acheté des packs pour Juliette. Donc, j'ai pas ouvert. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Et il faut que je la filme. Donc, je filmerai avec mon téléphone pour lui envoyer. Coucou les cocottes! Après, ça va être douche, tout ça. Oui, je sais même pas ce qu'on mange ce soir. Je vais voir Kevin s'il a envie. J'ai fait quelques courses hier à Lidl où j'ai acheté de la viande et tout, donc on verra. Faut faire cote-cote, non? On va voir nos petites salades. Et... Il y a pas besoin d'eau, on les a arrosées hier, mais regarde, on va ouvrir. Il y en a plein qui ont repoussé. Voilà, je pensais qu'elles seraient mortes. Et en fait, elles ont repris du poil de la bête, sauf certaines. Mais je suis trop contente. Voilà, on va les laisser. Elles sont belles. Et notre herbe qu'on a plantée là-bas aussi, elle pousse. Hein, notre herbe, elle... Regardez, même là. Là, on a semé de l'herbe. Et il est en train de pousser. Je suis trop contente. Ça pousse. Ouais, ça pousse. Mais il faut pas marcher. Ah, faut éviter de marcher sur l'herbe qu'on a semée, sinon on va pas pousser. Regardez, c'est là. Là, on a semé, ça pousse, et là-bas, c'est le pire. Je suis trop contente, c'est en train de pousser. Attends, maman, elle montre l'herbe qui pousse. Regardez là, toute la touffe. On a semé ça avec Juliette, il y a quoi, il y a 3 semaines, 1 mois. Hein, hein, on a semé l'herbe toutes les deux. Mais marche pas dessus, ça va jamais pousser sinon. Allez, on va chercher le concombre et on rentre. Tu ne touches pas? Est-ce que tu veux qu'on ouvre ce que Lila et Chacha, ils t'ont acheté? Oui. Voulez-vous? C'est Lila, elle a donné à moi. Elle était venue, elle a donné à moi. Oui. Sommes-nous? Alors attends, parce qu'il faut que je te filme. C'est qui me filme? Ne touche pas à la table. Voilà, tu fais bouger la caméra. Vas-y. Attends, recule qu'on te voit. Stop. Vas-y, tu peux t'asseoir ou debout, comme tu préfères. Tiens mon cœur. Ah, des petites bulles. Il y a un seau et puis une raquette. Et un petit seau. Ah, trop génial. Il y a même quoi là? C'est quoi ça? C'est un petit œuf en chocolat. On va l'ouvrir après. Une petite étoile de lapin. Montre. Elle est belle. Il y a tout ce qu'il faut qui me plaît. Oh, il y a des nôtres. C'est trop génial d'avoir des bonbons trop délicieux. Et ça, c'est quoi ça? Un petit livre de hippocampe. Vas-y, sors-le. Il est coincé. Regarde ce qu'il y a dedans. Montre. Oh, c'est un livre sur le loup. Et il fait peur. Ça, c'est des bonbons pour papa. Oui. On va lui poser dans le temps qu'il arrive. Ouais. Et voilà. Là, au moins, il va pouvoir les goûter. Et après, il y a quoi d'autre? Après, il y a une raquette. C'est une pelle? Oui, c'est une pelle pour remplir le seau avec un petit peu d'eau et c'est dehors. C'est trop bien. Mais je peux les manger maintenant? Non, ce soir. Ce soir. Je vais les mettre dans la cuisine. Ça, c'est un collier pour Juliette. Là, c'est pour maman. Il y a un prénom écrit. Maman, je vais les poser dans la cuisine. Ah, c'est bien, mon cœur. Regarde le livre comme il est trop génial! Comme il est trop génial! Juliette, tu dis merci à Lila? Merci Lila! Oh, alors là, je suis vraiment contente! Merci Lila! Merci Lila! Et merci Chacha! Merci Chacha! Je vais poser ça aussi dans la cuisine! Maman, je vais me faire aussi. On n'est pas dans la maison aussi. Un coup et c'est tout. Fort. C'est tout. Va chercher le chiffon. Et aussi, il y
Il y en a pas, je crois. Si, il y en a un. Oui. Ah non, ça c'est quoi ? Ça c'est pour tamiser le sable. Le sable. Bon Juliette, je sais pas si vous avez bien vu parce qu'elle était assise, mais elle a été trop gâtée. Un petit seau avec un petit arrosoir, une pelle, un petit livre sur le loup, un petit livre à colorier qu'on va colorier. Maman, je veux colorier maintenant. Et bah sortez feutre pendant que maman a fait la douche. Kevin, il a eu les bonbons soucoupe, il adore. Et ça, c'est pas un truc que je vais lui manger parce que moi, je suis pas fan. Regardez, petit. Trop mignon. Juliette, elle a aussi eu un truc à bulle licorne trop mignon, mais je le cache parce qu'elle veut en faire dans la maison. Elle m'en a déjà fait dans la maison et ça salit le sol, ça glisse. On en fera dehors demain. Et moi, j'ai eu ça. C'est trop mignon. C'est écrit le prénom à bébé, là. Collier, fais un vœu, porte ce collier près de ton cœur, il te portera chance. Oh non, c'est trop mignon, je vais pleurer. Il est trop beau. J'aime trop. J'ai trop hâte de le mettre demain. Du coup, Kevin vient de m'envoyer un message. Il a dû repartir au boulot parce qu'il manquait quelque chose. Il est 6h15. En attendant, je vais aller faire ma douche. C'est juste que je ne laisse jamais Juliette seule avec des feutres près de mon canapé, de mes murs, de tout. Donc, c'est très bien, mon cœur. Donc, j'hésite. Et voilà, il y a ton prénom. Tu as remarqué ton prénom? Ah, pardon. Bah, refais-le sur une autre page. Mais maintenant, je vais dessiner. Ah d'accord, bah dessine. Regardez ce nuage noir. Là-bas, c'est bleu. Ça, on verra pas, mais là-bas, c'est bleu. Là, gros nuage qui arrive. Voilà. Bon, j'allais faire ma douche et j'ai ma grand-mère qui m'a appelée pour me demander si ça... Me dit, ça te dérange si on passe maintenant? Un peu, mais viens quand même. Non, parce qu'en fait, je vous explique, elle s'en va... Attendez, je mange, j'ai faim. Elle s'en va ce week-end à son terrain de camping pour un mois. Et donc, elle voulait nous voir avant de partir. Et je pense que demain, elle va être trop occupée à faire les valises et tout. Donc, elle veut passer maintenant. Et elle me donne les clés de son appart parce qu'on n'habite pas loin. On habite dans la même ville au cas où s'il y a quelque chose, bah, on est à côté. Tu veux faire un gâteau ? Mais, Tata Bizarre, elle est en live. Elle peut pas t'entendre, mon amour. J'ai mis le live à Mélo, à Juliette. Elle dessine et elle lui parle. Coucou Tata, ça va ? Il est où Ethan ? Trop mignon. Donc du coup, ouais, ça m'arrange pas, mais écoutez, elle va venir, elle va pas rester longtemps, parce qu'il est 6h30. Moi, à cette heure-là, c'est l'heure des douches, de la préparation du repas et tout. Mais bon, c'est pas grave, Juliette, je vais la faire manger et tout, comme d'hab. Ma reine, elle t'entend ? Je vais la faire manger, elle sert un biberon, et puis après, elle mangera du concombre, parce qu'elle veut manger du concombre. Et moi, je ferai ma douche plus tard, c'est pas grave. Heureux, je vous retrouve le lendemain, du coup on est vendredi, il est à peine midi, j'ai fini le boulot et je me suis arrêtée sur la petite zone commerciale à côté du boulot où il y a tape à l'œil, Ziman, Kiabi, etc. Je vais aller voir. Je viens principalement, je veux mon miroir pour finir la déco du toilette en bas que je suis en train de glow up, je vous montrerai en avant après. Il me faudrait aussi des petites bannettes en espèce de bambou comme j'ai eu à Action, donc je vais aller voir. Il me faudrait... Je sais pas, je vais voir. Je cherche un ensemble à Kiabi de tailleur que j'ai vu. Enfin, je vais regarder. Je vais, objectif, pas dépenser beaucoup et au pire, dépenser pour la maison. Non, parce qu'on m'a quand même fait remarquer sur Instagram que j'avais dépensé aux alentours de 1000 euros pour une robe de mariée que je mettais qu'une journée et que je fais ma radine pour les meubles. Non, je fais pas ma radine pour les meubles. C'est juste que je sais la valeur des choses. Ça ne me dérange pas de mettre cher dans un meuble si c'est de la qualité. Mais aller mettre, là, vous voyez, on veut changer la table à manger et aller mettre 500 balles dans une table à manger chez Ikea ou chez Conforama, que c'est du petit costaud, que ça tiendra 2 ans, non. Mettre 800 euros à cocktail scandinave, c'est du costaud, c'est du vrai bois massif et tout, ok. Mais arrêtez de juger la vie des gens. C'est comme sur Insta, on m'a beaucoup jugé en me disant que je faisais ma radine, que je voulais pas dépenser, que on travaillait à deux, que je m'en sortais pas. Et en fait, il y en a une d'entre vous qui m'a laissé un message et j'ai trouvé ça hyper mignon. C'est qu'en fait, vous connaissez pas la vie des gens et si on faisait tant attention à ce qu'on dépensait, c'est parce que vous ne le saviez pas, mais on économisait pour notre mariage. On essayait de mettre un max de côté en fin de mois pour payer le mariage, la robe, les accessoires, le resto et tout. Et voilà, comme quoi on ne connaît pas la vie des gens, donc on ne se permet pas de la juger si vous ne connaissez pas, tout simplement. C'est juste que j'aime investir mon argent dans des choses durables. Vous voyez, des vêtements, je ne vais pas mettre 20 euros dans les magasins style Kiabi, type chinois, alors que ça ne durera pas. Je préfère mettre un peu plus cher et que ça me tienne plus longtemps. Mais ça, j'ai encore un peu de mal pour les vêtements parce que franchement, ça coûte cher. Allez, j'y vais. C'est un billet de 50 ou un billet de 10? Ah, un billet de 10.
Je veux ça, mais c'est trop cher. 35 euros un. J'en voudrais deux ou trois. Je kiffe trop. Bon, je cherche un miroir un peu comme ça, comme plein en fait, pour pas faire le même que dans la chambre à bébé. J'aurais celui-là, mais il est trop cher. Ça, ça rappelle trop celui de la chambre. Ça, c'est trop petit. C'est bien, mais c'est trop petit. Je voudrais dans les tons, en fait, bois, quoi, paille. Il n'y a pas grand chose. Ah, moi, j'allais dire. C'est ça que je veux, mais c'est trop cher. Je voudrais l'abeille. J'aimerais bien un petit scarabée. J'ai trop l'idée d'où les mettre, mais ça coûte trop cher. Bon, j'irai voir à BM, je pense, mais plus tard. Parce que là, BM, c'est pas loin, mais c'est bloqué avec les manifs, c'est bouché de chez bouché pour y accéder. Donc, j'ai pas trop envie de tomber là-dedans, donc j'irai plus tard. Là, je viens faire découper. Ouh, il est joli ce papier peint. Là, je viens faire découper une planche pour la chambre à Juliette, pour lui faire son bureau. Et je vais regarder du décapant pour la peinture dans l'escalier. Bon, finalement, je suis rentrée. J'en avais marre, j'en pouvais plus. Il est 2h30 tout pile. Je voudrais partir à 3h30. Donc j'ai 1 heure tout pile là pour faire ce que j'ai. Enfin, je voulais me poser, mais je vais pas me poser. J'ai trop de choses à faire. Des choses qui peuvent pas attendre. Disons qu'en fait, ce qui me bloque, c'est que je sais que ce soir, après avoir été chercher Juliette, on n'est pas là parce que c'est notre rituel. On va chez la famille à Kevin tous les vendredis. En général, on reste manger. Donc je suis pas rentrée avant 23h. 23h, fin de semaine, je suis KO. Je vais me coucher. Donc là, j'ai 1 heure. Il faut que je fasse la litière des chats. J'aurais bien voulu mettre une tournée de linge, comme ça je l'étends vite fait ce soir en rentrant. Je suis tellement en retard dans mon linge, je n'en peux plus, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, pourtant je suis à jour, mais là j'arrive plus. Donc clairement, Kevin m'a proposé qu'on s'achète un sèche-linge. On va dire oui, enfin je vais dire oui. Ça me faisait suer parce que je ne sais pas si j'y mettrais le linge. Dites-moi vous. Parce que je sais que ma mère ne mettait jamais, à part les serviettes de bain, les draps de bain, les draps de lit, elle ne mettait aucun vêtement dans le sèche-linge parce qu'elle m'a toujours dit que ça les usait plus vite et que ça les faisait rétrécir. Mais est-ce que c'est vraiment le cas si on ne met pas fort? Je veux dire, des petits vêtements comme ça, un petit jean, les petits vêtements à Juliette. Enfin, si j'achète un sèche-linge pour mettre que les serviettes de bain, mes draps, l'hiver, parce que l'été, moi, c'est dehors et une journée, c'est sec, je pense pas que ça vaut le coup. Moi, c'est vraiment pour que le linge, il reste pas 2 ou 3 jours sur les tentes à linge, parce que là, je suis trop en retard dans mon linge. J'ai des montagnes de linge à laver. Là, je sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. En fait, c'est pas de laver, parce que je peux faire 3 tournées par jour si je veux. C'est de sécher. Il ferait beau, ça serait dehors, mais là, ça fait une semaine qu'il pleut et que mon linge, ça me saoule. Problème d'adulte. Et donc du coup, ouais, là je fais la litière des chats absolument en priorité. Je vais faire notre vaisselle. Oui, j'arrive à te mettre des croquettes, baba. Je vais faire la vaisselle tant que j'y suis. Et qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait mettre ma tournée. Et je voulais laver, mais je vais déjà passer un coup d'aspi et je laverai après, quitte à laver demain pendant la sieste à Juliette, c'est pas grave. Mais là, c'est sale. En fait, c'est pas que c'est sale, c'est que hier mes grands-parents, comme je vous ai dit, ils sont venus, c'était pas prévu et tout. Et ils se sont pas déchaussés et ça m'a fait plein de traces dans mon entrée. C'est juste pas possible. Donc il faut que je lave parce que là, depuis hier, je vois que ça. J'ose même pas marcher. Je marche entre les traces parce que j'ai pas envie de salir mes chaussettes. Et sinon, j'ai mis un petit haut que Manon m'a envoyé avec le petit collier que ma collègue Chacha m'a offert hier avec écrit Juliette. Il est trop mignon. Franchement, j'aime trop le petit haut. Trop beau, là j'avais rentré dans le pantalon, mais là du coup je viens d'aller aux toilettes. Trop canon, j'aime trop, merci Manon. Il est 3h à peine, dans 2 minutes il est 3h, et il me reste une demi-heure et j'ai bien avancé. J'ai fait les litières, j'ai fait ma vaisselle, il me reste juste à aller monter cette bannette de linge, et en lancer une autre, comme ça se fait en 2 minutes. Je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait du coup. Déjà Juliette, je sais pas si je vous l'avais montré dans une autre vidéo, mais j'ai été échanger, j'avais pris en 21 ces petites chaussures là avec des fraises. J'ai été prendre une taille au dessus parce qu'elles étaient trop petites, et vers la même occasion j'ai vu celles-ci là pour la demi-saison en toile. Elles sont beige un peu pailletées à doré. Elles étaient à 9 euros celles-là, donc pareil je les ai prises. J'adore les petites chaussures comme ça pour les beaux jours. Ensuite, franchement j'ai pas pris grand chose, j'ai pris oui deux planches, enfin une planche
Je vous montrerai bientôt une planche que j'ai fait découper à Leroy Merlin pour y mettre dans la chambre à Juliette. Vous verrez bientôt la petite transformation qu'on est en train de faire dans la chambre à bébé. Ma fameuse bougie pour vous poser dessus. 2 minutes, hein, pas plus. J'ai été faire un tour à Zimane. J'ai pris ces petites housses de coussin bleu ciel avec plein de passion fleurs. Et je trouve que faire des dégradés de bleu, ça peut être joli parce que je voulais ajouter des touches de moutarde et je trouve pas en moutarde. Enfin, je trouve que ça fait très automnal. Donc au pire, je mettrai les touches de moutarde en automne. Et là, je me dis pourquoi pas porter du bleu ciel dans ma maison, faire un monochrome de bleu ici avec le mur qui est bleu roi. J'en ai pris deux, c'était pas cher, je crois en plus. C'était à 2, 3,99 la housse. Bon, il n'y a pas l'étiquette. 3,99 la housse. Au pire, ça servira juste pour l'été. J'ai pris cette petite manique à 1,99. Voilà, même si, enfin moi je vais m'en servir, Kevin non, mais après en décoration je trouve ça sympa. J'ai pris ce petit bavoir là pour Juliette, bien ça, franchement il faut que j'essaye, ça me paraît un peu juste, 99 centimes. Et j'ai pris aussi celui-là avec des petits citrons, voilà, passion citron aussi, j'adore, fleur citron, ça va trop bien chez moi parce que bah, en plus c'est jaune donc ça va avec mon mur bleu. Est-ce que j'ai pris à Action également? Bah, je vais vous laisser poser et j'arrive. C'est ridicule de prendre les caméras. Alors, à Leroy Merlin, déjà, j'ai pris ça. Ça y est, je suis décidée. On va, cet été, enfin cet été, là, au beau jour, je refais l'escalier. En fait, vous savez, notre escalier qui est en bois, quoi, brut. On voulait le peindre en blanc et noir. Et finalement, on veut le laisser. On trouve ça dommage de le repeindre alors que c'est du beau bois et tout. Donc forcément, comme on était censé le peindre lors des travaux, on ne l'a pas protégé. On s'est dit, même s'il y a des traces de peinture dessus blanche, on veut le peindre en blanc de toute façon. Donc maintenant, bah, il faut sortir les muscles. Mais avant de poncer, je veux essayer ça. C'est ma mère qui m'en a parlé. C'est un décapant pour peinture sur les surfaces en bois. Et apparemment, c'est super efficace. Donc on va essayer. C'est... Il y a eu un accident, je suis désolée. Comment dire, ça ne s'évapore pas dans l'air. C'est un truc sans solvant et tout. Enfin, c'est d'origine végétale, hein. C'est assez sain. Parce que parfois, j'aimerais bien faire des trucs comme ça. Mais c'est vrai que quand Juliette, elle dort là-haut, je ne veux pas utiliser de produit. En général, je fais tout ce qui est peinture et tout quand elle n'est pas là. Comme ça, la journée, ça a le temps de bien aérer. Et là, bah, du coup, je me suis dit que c'est nickel. Même si elle dort ou si elle joue là-haut, je peux toujours essayer. Faut laisser agir 10 minutes, gratter un peu. Et comme ça, après, on aura juste à le protéger avec un vernis. On voudrait un vernis qui le teinte légèrement plus foncé, mais très léger. Et peindre les contremarches, peut-être en noir. Voilà, juste ça. Bref, ensuite, j'ai été à Action. J'ai pris ça pour dans la chambre à Juliette, toujours, vous verrez. J'ai repris des brosses à dents parce qu'on n'en a plus. La dernière, c'est qui l'a utilisée, c'est qui a utilisé ma brosse à dents, c'est Sindel quand elle est venue pour le mariage. Et j'en ai repris à Juliette parce qu'elle est comme son père, les brosses à dents. Les brosses à dents, ça suce très vite avec papa et Juliette. J'ai pris un petit kit de peinture sur galet pour Juliette. Des petits masques. Ça, c'est pour que Juliette elle teste. Apparemment, c'est insupportable, ça en fout partout. Vous savez, les petits dessins à faire avec un petit bâtonnet, mais ça peut changer, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un petit truc pour les boucles pour Juliette. Si vous avez des astuces pour travailler les boucles, bien les coiffer et tout, naturel. Je sais pas moi, de l'huile, voilà, des huiles, des sprays, mais assez naturel. N'hésitez pas à me dire pour Juliette. Du déodorant pour monsieur, rien d'intéressant. J'ai repris un gommage, des gommettes et un pot comme ça. Il était pas cher, je crois qu'il était à 3,99, un truc comme ça. Parce que j'ai acheté à Lidl cette semaine des marguerites sur pied. Ça fait une boule, elles sont magnifiques. Sauf que il me faut, hein, je pensais les planter en pleine terre. Ma mère m'a dit surtout pas, ça se rentre l'hiver, ça craint le gel, donc t'es mieux de mettre un pot que tu peux rentrer dans ton garage l'hiver. T'es pas bête, maman. Donc du coup, ben, j'ai acheté un pot. Franchement, ça dépendait du prix. Hein, j'ai payé les marguerites 7,99. Je voulais pas mettre plus de 10 balles dans un pot. Ça m'aurait bien fait chier de payer plus cher le pot que les marguerites. Hein. Vous voyez, pour vous montrer au niveau des escaliers, voilà, on n'avait pas protégé spécialement en faisant le mur. Après, c'est quelques petites éclaboussures par-ci par-là. Et le pire, c'est sur la rambarde, en fait. Bah, en fait, pour peindre ce mur-là, pas qu'on a été obligé, mais c'était vraiment galère. Et donc, du coup, bah,
Comme c'était au pistolet à peinture, en plus c'était pas au rouleau, sinon tu peux t'arranger pour le bâcher et tout, ce que j'avais essayé de faire, mais comme c'était au pistolet, c'était beaucoup trop galère, on a passé un grand coup comme ça, et c'est vrai qu'il y en a un peu partout. Donc les petites taches comme ça m'inquiète pas, juste avec du ponçage et tout, ça peut partir, mais là je vais vraiment essayer sur la rampe le spray, parce que vous voyez, il y en a jusqu'en haut. Le petit spray, et ici il va y avoir un mur de photos avec toute la famille. Qu'il faut que je fasse, faut juste que je vois avec ma sœur, parce que je sais qu'elle en avait fait un, si je mets que des cadres photos de la même taille ou de tailles différentes. En fait, ici, j'aimerais que ce soit un pan de mur sur les photos principalement du mariage, mais je pense qu'il y aura un peu de tout aussi, je veux dire, il y aura un peu toute la famille et tout, mais voilà, je sais pas trop si je mets des tailles différentes de cadres ou pas. Ici, je crois que vous l'avez pas montré, on avait mis un petit luminaire comme ça, oui, je vous l'avais montré dans un vlog. Et dans l'idée, bon, faites pas gaffe, c'est mes cartons que je garde pour Vinted. Là, ici, il va y avoir une décoration, un DIY qu'on va faire nous-mêmes. Et j'irai sûrement acheter de quoi le faire la semaine prochaine. C'est Kevin qui a eu l'idée, enfin qui m'a montré sur TikTok. Il m'a dit est-ce que t'aimes parce que j'adore. J'adore, je valide à 3000%. Je pose la palette. Donc, du coup, bah, il manque plus qu'à le faire. Il est prêt à le faire et tout. Faut juste qu'on aille acheter ce qu'il faut et ça va pas coûter cher. Il y en a pour 20 euros. Et je vous montrerai parce que je pense que ça pourra en intéresser plusieurs d'entre vous. Je range mon linge. J'avais tellement de choses à faire. Je voulais faire ça. J'ai pas eu le temps. Je range mon linge. Dans tous les cas, je rigole parce que je revois les Polaroids des photos du mariage que j'ai posées là. J'avais pas vu. C'est moi et Caro. Et les mariés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a ma soeur avec ma grand-mère. Sauf que ma grand-mère ferme les yeux. Elle verrait cette photo, elle dirait, mais ma grand-mère, elle dirait, je suis horrible. Ah, oh, une super grimace de ma soeur. Caro, ma Leslie. Ah, c'était il y a quasiment un mois, j'en reviens pas. Moi et Chacha. Attendez parce que je crois que Lila va regarder les vlogs où elle, ma chacha. Oh, bref, il y en a trop. Ça, faut que j'aille acheter un album à Action pour toutes les coller dedans. C'est une blague! Je vais me laver les mains. Bon, si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, en fait cette semaine j'avais laissé. Ah, j'ai pas la. Ben non, il est chez Manny. J'avais laissé ma veste que je prends qui est pour le boulot, comme ça elle craint rien. Parce qu'en fait, j'ai ma super belle veste rose là. D'ailleurs, je crois que j'ai la même que ma sœur. Mais en fait, toutes mes belles vestes, je les mets pas pour le boulot. Donc au boulot, je suis toujours habillée en mode pouille-pouille. Parce qu'en fait, à force de porter tout le temps les bacs sur mon avant-bras, je les salis que sur l'avant-bras et je les use sur l'avant-bras. Bref, mon manteau est mort à cause de ça. Donc j'ai une vieille veste pour là la demi-saison, entre le manteau et la demi-saison, que je vais utiliser que pour ça. Et elle était sale, donc je l'ai laissée sur le sac allongé de Juliette, donc qui était par terre, mais elle n'était pas par terre. Enfin, elle était sale. Fallait que je finisse la semaine et que je lave ce week-end. Et je viens pour la mettre un matin, toute mouillée. Myoum, parce qu'il n'y a que Myoum qui pisse partout, avait fait pipi dessus. Donc avant de partir, déjà, elle puait la mort, j'en avais partout sur la veste. J'ai pris la veste, je l'ai mis en boule dans le cellier, dans la bannette à linge du cellier, pour la laver à la prochaine machine qui est aujourd'hui. Et je viens pour vider les poches parce que j'ai toujours un mouchoir dans ma poche. Et en fait, j'ai sorti une boulette de caca de ma poche. Pas la mienne, hein, celle de chat, mais je comprends pas pourquoi il y a qu'une boulette de caca. Et je comprends mieux pourquoi toute la semaine depuis hier, je trouve que ça sent le caca. Ben en fait, c'était ça. Alors que c'était dans le cellier.
Ayez des chats. C'est génial. Bref, du coup, la machine elle tourne. Ben voilà, j'ai tout fait. J'ai bien envie d'aller essayer ça. Là, ça agit en 10 minutes, mais je me connais. C'est que si je vois que ça marche, je vais vouloir tout faire. Et j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps. Donc, je vais plutôt me poser 2 minutes avant d'aller chercher Juliette. Où j'y vais maintenant. Parce que si je me pose, c'est mort. Ouais, j'y vais maintenant. Allez. En fait, je pars plutôt, mais pas chercher la petite. Je pars plutôt parce qu'avant, il faut que je passe à la mairie de chez mes parents. Demander un château mouillé, un renseignement pour la potentielle future école de Juliette. On est vraiment en galère en ce moment pour ça. Je sais pas si vous avez déjà fait des demandes de dérogation à la carte scolaire, mais je me tire les cheveux. Oui et non, parce qu'en fait j'ai fait la demande, j'ai pas de nouvelles, je m'en inquiète pas. Mais pour l'instant, ma fille n'inscrit dans aucune école. Donc c'est un petit peu embêtant. On a demandé deux dérogations pour deux écoles différentes. Et voilà. Mais là, elle est inscrite dans aucune parce que j'ai pas de réponse à mes demandes de dérogation. Donc, comme j'ai la phobie du téléphone, on en parlait avec ma sœur, en fait, j'ai la phobie d'appeler. Ça m'angoisse, je le note sur un papier, je prépare mon texte et ce que je vais dire des jours à l'avance, je m'en ronge les ongles, je fais les 100 pas, ça me stresse vraiment de devoir passer un coup de fil. Mais par contre, je suis pas stressée quand on m'appelle. Voilà, recevoir un appel et décrocher, ça me stresse, mais pas autant que appeler. Et vraiment, c'est compliqué parce que bah, maintenant, je suis une adulte, c'est plus à ma mère de prendre mes rendez-vous chez le médecin, mes rendez-vous à l'orthodontiste. C'est moi la maman, c'est moi qui prends rendez-vous pour ma fille et des trucs comme ça, et c'est compliqué. Mais je suis pas toute seule, ma sœur est aussi comme ça, donc ça me rassure de savoir que je suis pas la seule. Allez, je lâche la caméra parce que en ce moment, moi avec le téléphone au volant et la caméra c'est tout pareil, je me fais pas mal gronder par les policiers. Pour l'instant, je tombe que sur des sympas qui me rouspètent et qui me laissent repartir jusqu'au jour où moi, si j'ai plus de permis, j'ai plus de boulot, donc on va éviter. Hein, allez. Attends Juliette, explique, attends, je vais te parler. On va voir quoi là? Le bureau de moi. C'est qui l'a installé? C'est mon papoulet. Allez, zou. On va voir ça. Comme vas-y, monte comme une grande sans te tenir. Papa, il va faire l'aspirateur. Il va aspirer les poussières qu'il a fait. Oui, les poussières. C'est le petit bureau de Juliette. Il est quand même beau. Il cotonne. Voilà, donc là c'était le coffre à jouer qui est là, que je vais rendre à ma maman. Il y a tout ça à vider. Et du coup, en fait, ça fait petit bureau. Enfin, pour l'instant, ça va être une espèce de coiffeuse bureau. On va lui trouver, j'ai vu sur Internet, un beau fauteuil style un peu crapaud. J'ai eu le petit miroir comme ça à action. En fait, j'en voulais un accroché, mais on a trop peu de... Donc, c'est pas la peine. Ça suffit. Petit pot que Tata a donné pour y mettre les pinceaux. Parce qu'elle fait semblant de se maquiller comme maman. Et le... Attends. Et ça, je lui ai donné, c'était à moi, mais j'en ai deux, donc j'en ai un licorne et un éléphant. Pour mettre les bijoux, tu aimes? Ça te plaît? Regardez l'éléphant. Mais non, le miroir, c'est pour te maquiller toi, mon amour. Maman, l'éléphant, il est très joli. Oui, il est très joli. Donc ça, retour à l'envoyeur, chez ma mère, et je vais trier un peu ce qu'il y a là-dedans, et sûrement mettre à vendre des petits trucs. C'est mon coloriage. C'est quoi ça? Que t'as colorié, c'est quoi? Et ça, maman, elle t'a dit, c'est quoi? Une boule d'abeille. Non, pas une boule d'abeille. C'est une eau. Triche. Tu fais des beaux dessins, toi. Elle le lâche pas, ce livre de... Je sais pas où est-ce que Chacha elle l'a eu, mais... Elle le lâche pas. Non, mais Chacha, elle le lâche pas. Bon, monsieur est rentré. On t'a pas vu depuis le mariage, au fait. Ça fait quoi d'être un homme marié et de plus vivre dans le péché? Oh le sang, j'y plotte la nana. Pardon, je disais. Ça fait quoi d'être un homme marié depuis vivre dans le péché? Du coup, on est en train de prendre... On prend quoi, Juliette? L'apéro. Et c'est très très... Tu peux t'asseoir, mon amour, t'as ta petite chaise, là. Non. Ah bon, d'accord. Tu peux la remarquer. Ah, tu veux te mettre en face de maman? En face de toi, pour manger l'apéro.
Et on a une petite bière en plus que Leslie et Damien nous avaient offert quand ils étaient venus. Je goûte, attends. On va goûter. Maman, tout c'est bon. J'adore, elle est trop bonne. Elle est à moi. 5% d'alcool, c'est pas assez. Ce sera ça ma photo de couverture. Ah, pardon. Là, il y a des voisins là. Nous, on est là. C'est pas un bruit. Non, et les gens sont super gentils, par contre. Enfin, les gens de l'hôtel. De l'hôtel, ouais. Bah, ça, je sais que ses parents, ils nous l'avaient dit. Parce qu'au final, en fait, vous êtes sur la même île que ses parents, ils ont été. Et ils nous l'avaient dit que c'est vachement, ils sont vachement gentils, les gens, vachement accueillants, machin et tout. Ouais,